Guillaume Depardieu, sa fille Louise en couple, officialise avec sa jolie amoureuse. Elle a très tôt su ce qu'elle voulait faire de sa vie. Fille de Guillaume Depardieu et d'Élise Ventre, ils avaient divorcé en 2006. Louise Depardieu l'affirmait dès l'adolescence, elle voulait, comme ses parents, ou même son grand-père, devenir comédienne. Mon nom, tout le monde le connaît dans ce domaine mais j'espère y arriver sans me servir de ça. Expliquait-elle dans une vidéo du youtubeur Matt. Ce qui est important pour moi c'est de rester soi-même et de ne pas se prendre au sérieux. Après avoir étudié l'acting à Londres, la jeune femme est de retour en France et est aujourd'hui, représentée par l'agence artistique Cinéar. Il a fallu beaucoup de force à Louise Depardieu pour prendre son destin en main. Son père Guillaume Depardieu est mort après avoir contracté une pneumonie lors d'un tournage en Roumanie. Il n'avait que 37 ans quand il a poussé son dernier souffle, le 13 octobre 2008. Élise Ventre, son ex-épouse, est quant à elle décédée à l'âge de 47 ans le 6 octobre 2020. C'est Louise qui avait dévoilé cette tragique nouvelle sans pour autant expliquer les raisons de cette disparition subite. « Maman, aujourd'hui tu t'es envolée pour me regarder de là-haut », écrivait-elle. « Je t'aime. Je t'aimais, comme je t'ai aimé. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Ça va être dur, la vie sans toi et papa. Guillaume. » Style Diva Place Holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, div. À Place Holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Heureusement, Louise Depardieu n'est pas seule sur Terre pour affronter le quotidien. Elle semble être accompagnée, depuis plusieurs mois, d'une jeune femme prénommée Alice qu'elle appelle régulièrement. Sur les réseaux sociaux, son amoureuse. C'est à ses côtés qu'elle a, par exemple, passé ses dernières vacances d'été et s'est lancée, au mois d'août, dans une folle randonnée au Mont Doré en Auvergne. Avec elle, toujours, qu'elle a célébré son plus récent en décembre 2021. C'était mes 21 ans il y a 2 jours. Écrivait-elle. Merci pour l'amour et les messages. Désolée pour les réponses en retard. J'étais entourée de mes copains, et de mon amoureuse. Et tout s'est bien passé. Et le 24 octobre dernier, elle n'oubliait pas de lui souhaiter son anniversaire pour ses 24 ans. Un être suprême a eu 24 ans aujourd'hui. C'est un grand jour pour notre planète. A-t-elle écrit en légende d'un carrousel de photos de sa bien-aimée. Et avec en hashtag, « Ma God c'est la plus fraîche ». Le message est clair.